Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sous télévision Pacifique. Je dis à nous parler sport et société et pour aborder sujet ça qui est combien important pour la jeunesse, pour la société, nous gagnons Kimberly Pierre qui pourra parler ça avec nous. Kimberly qui passe de présentation dans le secteur journaliste là, comme journaliste sportif bien sûr, mais je dis à lui en bas parapluie Fondation Natif Natal pour aborder sujet ça. Fondation ça, il va le présenter nous, qui prévoit organiser une grosse activité socio-sportive dans le pays. Merci Kimberly pour la disponibilité ou à Monsieur Endeavour. Bonjour, bonsoir Robinson et bonjour téléspectateurs Télévision Pacifique, chaîne 54. C'est un plaisir énorme pour nous là à l'occasion de l'émission ça, Interview. Nous n'avons pas besoin de faire trop de présentations. J'aime d'abord Kimberly, journaliste et jeune journaliste, et très talentueux surtout dans le secteur par là et qui c'est sport, mais ça va empêcher. Et comme journaliste, les gains ouvertures sur l'autre secteur. Mais je veux dire, nous allons parler de fondation Natif Natal. Qui s'allie au monde qui t'a des noms aujourd'hui dans l'académie Interview, qui ça peut le retenir? Et en gros, Benson, et Natif Natal Fondation, c'est une organisation de boxe. De boxe, parce que les gens qui fondent Natif Natal Foundation, c'est un ancien boxeur qui est Daniel Edouard. Daniel Edouard, qui c'est un ancien boxeur professionnel, haïtien bien sûr, mais malheureusement pas de jambes arrivé champion du monde dans les affaires boxe. C'est boxeur haïtien ça qui décide de mettre une fondation sous pied, fondation ça qui est le Natif Natal Foundation, qui basé du côté des États-Unis, plus précisément dans l'État Floride là même. Fondation ça qui fait lui-même en 2017, c'est ancien boxeur haïtien et monsieur ça qui est Daniel Edouard qui vient avec Fondation Natif Natal. Natif Natal, pour nous autres haïtiens, ça veut dire petite Oui. lacaille, causer lacaille. Est-ce que ça veut dire, monsieur, côté lié États-Unis, la dénicher, la chercher haïtien qui soit dans le monde de boxe là ou bien dans l'autre discipline sportive pour faire connaître lacaille qui a besoin, même si vous retraité, même si vous pas en activité encore ou bien vous toujours en activité sportive, mais une participation, une aide au capoter lacaille. Une chose qui est extrêmement importante, Robinson, et natif natal, l'autre dit aussi haïtien natif natal, ça veut dire ou pas l'autre pays et ou affilié ensemble avec lui. Eh bien, Daniel Edouard, qui c'est un haïtien natif natal, lui-même lui décide de venir avec structure ça. Structure ça, c'est qui ça lié? C'est une organisation de boxe, mais qui a fait un pile social dans le pays. Nous prenons aller dans les zones défavorisées. Et parce que l'autre grand côté de la Cité Soleil, en termes de talent, c'est là qu'il y a plus boxeur. C'est là qu'on plus pratiqué boxe. Comme étant que Cité Soleil libère plusieurs boxeurs haïtiens, alors pour mon temps de son liquide, n'a pas de Evans Pierre. Evans Pierre, c'est mon Cité Soleil qui était dans la délinquance en juvénile et puis il prend, il met dans la structure par le biais de la Fédération haïtienne boxe amateur, présidée par Pierre Daniel, il met dans la structure et voilà, Evans Pierre, c'est champion national. Eh bien, en Haïti surtout, nous c'est un pays côté que l'éducation est en situation vraiment difficile. Avec Natif Natal Foundation, nous venons faire sport et éducation. Sport côté que y a besoin de toute structure adéquate pour mettre dans la meilleure façon pour pratiquer la boxe. Et société, parce que nous croyons que pendant mon temps lui-même il a pratiqué sport, faut qu'il capable utile le fini et goumen, parce que yo dit que athlète yo duré aussi plus petit passé 20 ans, donc le nèg là lui-même il fin pratiquer plusieurs disciplines sportives, faut qu'il capable rentrer dans un domaine que lui-même était étudié à l'école. Donc c'est raison ça qui fait que Natif Natal Foundation lui-même li a allié sport éducation dans la société haïtienne. Je pense que tout fait pour nous sur ce qui a rapport avec l'activité et fondation pour l'organiser. Mais avant de parler de l'activité, sport, qui est société, mariage ça pour un pays comme Haïti et l'autre pays qui a la même condition socio-économique, condition existentielle aussi exécrable, qui importance les gagner? Est-ce que l'on a aidé et pays à fond pas en avant, est-ce que le cas des sociétés à surtout sortir dans sa ligne? Moi, quoi, Robinson, tout pays qui a fonctionné, on prend exemple Brésil, qui sont un pays côté que et en pile monde remet et pour question football, Brésil pas
toujours Jean lié là dans moment on a parlé là à côté que c'est en puissance économique mais sport là joue un rôle prépondérant dans sa brésilien parce que quand même leur son pays ou exporter joueurs à l'étranger et joueurs ça même qui vini multimillionnaire automatiquement au fin et multimillionnaire yo retourner dans pays yo vinn gen entreprise pa yo et automatiquement ou dit entreprise c'est créer yo pral créer job et moi pense une un facteur qui a extrêmement important pour l'état haïtien secteur privé à mettre en exécution c'est permettre que jeunes yo même non seulement y a ba yo une formation dans sa qui gagne rapport avec sport, il a mis infrastructure sportive, mais li allié avec l'école, li marié avec éducation. C'est dans ce sens ça, Native Natal Foundation, li même et du 9 au 13 août qui a venu là, il a venu en Haïti avec Daniel Edouard et puis gagne monsieur ça qui c'est ancien boxeur professionnel, champion du monde boxe et dans catégorie poids lourd, on a parlé de Berman Steven qui a rentré en Haïti tout. D'ailleurs, il c'est un deux ambassadeurs boxe c'est une Native Natal Foundation avec Evans Pierre. Donc nous croyons que sport et éducation c'est un facteur important dans le développement d'un pays. N'a juste pour exemple tant que le Brésil qui est un symbole économique mais sport là joue un rôle important dans ça n'a pas là. Monsieur Avini j'ai annoncé là dans fin semaine là activité à qui ça l'habillé et programme et programmation qui ça lié et surtout nous en vacances toujours c'est-à-dire gain temps là pour et activités et culturelles, activités sportives et surtout fêtes et n'a préparé l'entrée des classes. Oui, qui ça activité nous qui ça nous gagne dans Jacot nous pour voter. Oui, n'a préparé l'entrée des classes Jean-Dile Robinson donc avec Native Natal Foundation sous l'obédience même Fédération Haïtienne Boxe Amateur. Donc nous pour faire une série d'activités, une série d'activités sociales, une série d'activités culturelles, une série d'activités sportives dans objectif pour nous capable faire un service de détection talent dans en Cité Soleil. Bien que on capable toujours dire pour qui ça c'est Cité Soleil nous même nous aller, mais Cité Soleil c'est pratiquement bastion box, mais avec Natif Natal la Fondation, nous même nous a ouvert cadre là côté que service de détection talent ça a fait du côté de Cité Soleil, même pas empêcher un monde fou yon moun Delma vin participer dans ensemble d'activités ça parce que nous même n'a font service de détection talent parce que avec Native Natal Foundation nous même nous a préparé l'année 2020 nous connaît pral gen et jeux olympiques qui a fait du côté de Tokyo dans pays Japon donc nous a fait un service de détection talent service de détection talent ça Robinson c'est entre 12 ans à 17 ans 12 à 17 ans côté que nous a bayo basic dans ça qui gagne rapport avec box mais pendant n'a bayo basic dans ça qui gagne rapport avec box n'a tout profiter bayo tout et des bagay qui gagne rapport avec l'école des kids scolaires parce que nous connaît que et avec société haïtienne avec situation économique pays qui vraiment précaire et nous dans l'obligation non seulement pour nous faire box pour nous faire sport parce que c'est dans domaine ça que nous et National Foundation lui-même il y a pas œuvré mais nous gagne obligation tout pour nous capable venir supporter ça qui a fait socialement et dans ça qui gagne rapport avec éducation dans Cité Soleil c'est une raison côté que du 9 au 13 nous a fait service de détection talent mais nous a venir supporter tout le monde l'école parce que l'école là nous connaît c'est dans début septembre là lui-même il a ouvert donc avec Native Natal la fondation n'a fait box n'a fait éducation est-ce que ou expliquer bien sûr choix Cité Soleil là c'est parce que c'est là qui gagne plus talent dans affaire box mais question m'a pas poser à ma BC mettre dans place c'était des spectateurs qui a dit c'est bien c'est encourageant c'est soleil gagne nécessité ça surtout monsieur yo gon initiative de paix au prend là qui encourageable et ça qui entré dans cadre là pour kembe yo calme net et investir énergie yo détermination jeunesse yo dans des activités qui capable rapporter au gros mais et vous dit waouh m'a pas songé dans ces soleil gon ring non on côté pour nèg boxer m'a songé gon stade pour nèg boxer et on telle activité qu'on va le fait place là dernièrement basse soleil pas de place fierté et qui bon comment ça va le fait OK une de bagaille qui est extrêmement important et Robinson et gain en pile bagaille que pays lui-même il mérite gagner parce que quand même
Et Haïti, pendant qu'on a parlé, on a dit qu'il y a plusieurs champions du monde. Pour le monde de Berman, pour le monde de Adonis Stevenson, pour Jean-Pascal, pour Georges Alcine, pour André Berto, c'est 5 boxeurs d'origine haïtienne qui sont champions du monde dans sa fait boxe. Mais tous les boxeurs, même c'est là-bas, ils ont œuvré pour le monde de Berman. Le Berman a champion contre Chris Ariola et il y a un combat qui a été fait aux États-Unis. Berman est devenu le premier boxeur d'origine haïtienne qui a remporté une ceinture boxe poids lourd. Donc, Berman, c'est Canada. Maintenant, du côté de Cité Soleil, pendant ou pas ou gen ring, timoun yo, lakay yo, et yo pratique boxe, atra, yo gen ganan men yo, yo gen gan, yo gen protège dan. Mais protège dan yo gon durée de vie. Gen durée de vie, et nous même nous kwe, à travers le Natif Natal Foundation, nous apote des gants, des protège dan, des sacs tout, pour timoun yo même, yo capable entraîner dans service de détection talent ça. Maintenant, l'autre aspect qui est extrêmement important au Benson, il y a plusieurs personnalités médiatiques qui est encouragé et activité ça. L'on prend yon moun takou Pouchon du Verger qui est c'est chanteur équipe Jacob Number 1 Pouchon lui-même li rentre directement dans projet pour le supporter et Pouchon du Verger même dit monsieur pas aucun problème pour nous participer nous en fundraising pour Jacob Number 1 jouer pour capable faciliter nous la tâche pour nous joindre des rentrées pour nous capable permettre gain des gym de boxe pour ti moun yo même yo capable pratiquer boxe dans Cité Soleil parce que Cité Soleil quand même au Benson c'est côté qui est plus pratiquant et de la boxe en Haïti donc intérêt nous même c'est Cité Soleil premier intérêt nous c'est Cité Soleil c'est centre d'intérêt nous bien que nous croyons qu'il y a plusieurs côtés qui a pratiqué la boxe avec Fédération Haïtienne Boxe Amateur peu importe sont capable dit mais ils fait des travail énorme pour capable permettre nous gagner des boxeurs qui allent à l'échelle internationale donc nous même nous croyons que nous gagnons pile boxeurs qui champion du monde de boxe dans plusieurs catégories mais il y a pas des boxeurs qui pratiquement fait toute bagarre en Haïti seul boxeur nous gagnons qui fait pratiquement toute bagarre en Haïti qui était dans délinquance juvénile ça fait nous quoi avec sport ou capable de retirer ti moun nan dans délinquance juvénile l'on prend yon moun et ko Evans Pierre c'est pas un bagay que moun pa ka di Evans Pierre était bien dans délinquance juvénile mais avec la boxe yo retiré de yoa et puis li vini yon personnalité côté tout haïtien a adulé tout moun renmé Evans Pierre et li vini yon symbole de fierté pour population haïtienne nan et ki côté sociaux nous te ka gen plusieurs maintenant c'est investissement maintenant c'est encadrement et c'est un pigo problème qui gagne dans pays d'Haïti, c'est un problème d'encadrement. Nous capables juste prendre avec cette histoire de compétition qui sont faites du côté de Barranquilla dans pays Colombie, côté que nous prenons seulement une médaille en argent dans et activité ça, alors que l'autre pays tant que République Dominicaine, c'est plus passé 100 médailles remportées. Maintenant, si nous disons faire pays, nous devons commencer d'abord par le sport, nous devons commencer d'abord par la jeunesse et l'autre jeunesse en lui-même. Il y a mes sports, peu importe discipline sportive là, les mêmes les remèdes. Donc c'est raison qui fait que nous mêmes Cité Soleil c'est premier centre d'intérêt nous, c'est parce que non seulement l'homme monte comme Berman Steven avec Evans Pierre, c'est deux ambassadeurs Natif Natal Foundation qui fondent en 2017 et Daniel Edouard, c'est un ancien boxeur. Donc c'est secteur pas nous, mais nous dit pendant le secteur pas nous, n'a essayé élargir pour le parité seulement du côté de Cité Soleil et n'a essayé élargir tout pendant que monde même il a pratiqué boxe, l'école là tout doué un facteur important pour tout monde ça qui a pratiqué la boxe. On part en cap suivre là ou bien un jeune qui est intéressé avec boxe comment le café pour participer dans l'activité ça surtout s'il doit Cité Soleil. Et s'il passe Cité Soleil, il est capable de contacter nous sous 39 06 87 09 39 06 87 09 il est capable de rentrer en contact ensemble avec nous parce que quand même il y a un monde qui est fanatique boxe ou tu as intérêt ou tu as toujours envie pour aller regarder Berman Steven parce que quand même qui est-ce qui promoteur Berman c'est Don King. Lord Don King c'est plus gros promoteur de la boxe et Don King c'est ancien promoteur Mike Tyson et on tient anecdote pour montrer au que qui ça sport capable de faire dans la société hein. Là on est comme Mike Tyson c'est on est qui était dans délinquance juvénile c'est on est qui était dehors dans la rue c'est dans maison correctionnelle était voyelle et puis Kous D'Amato prend et puis Kous D'Amato dit sous gain motivation ou vinn champion du monde et le 22 novembre 1986 Tyson vini plus jeune boxeur qui remportait une ceinture et boxe dans catégorie poids lourd donc yon moun qui a regardé là ou gain intérêt et encourager ça qui a fait là parce que nous mêmes c'est un service de détection talent nous a fait du 9 au 13 août qui a venu là côté que Berman Steven c'est ambassadeur national de la fondation sans oublier Evans Pierre qui c'est un symbole d'intégrité côté que dans une situation vraiment difficile à travers la boxe, les vignes personnalité très adulée en Haïti. Et après courte période ça, service et détection talent, il a continué
et diverses régions dans le pays. Oui, il a continué dans diverses régions dans le pays en Robinson parce que quand même nous pas camper. Objectif là, c'est 2020 parce que nous croyons ça. Nous toujours avons des athlètes, des boxeurs qui a participé dans les Jeux Olympiques pour Haïti, mais qui résultat, il n'y a pas vraiment un gros résultat. C'est une seule personnalité qui prend une médaille olympique pour Haïti, c'est Silvio Cator. Donc, à travers de Natif Natal, la Fondation, Revlan, c'est joindre un boxeur qui a porté une médaille d'or pour Haïti. Et objectif là, c'est ça. Et on a commencé d'abord Cité Soleil du 9 au 13 août qui a venu là. Merci Kimberly pour participation à l'émission. Merci Robinson. Tout plaisir, c'est pour moi. Et encore une fois, nous encourageons tout le monde à la Cité Soleil du 9 au 13 dans le service de détection Talent ça. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview. C'est toujours sur Télévision Pacifique, chaîne 54.